seulement s'il y a des enfants ici. S'il y a des enfants. Approchez. Venez avec les enfants. Nous allons prier. Nous allons leur remettre des cadeaux. C'est pas la nouvelle. Oui, ton chef. N'a pas ma peur, mettez-vous devant. Vous avez compris mon message, hein? Amen. Le message de Dieu, c'est que vous puissiez obéir à vos parents. Vous devez respecter vos parents. Amen. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Vous devez aimer Jésus. On dit amen. Amen. Seigneur, merci de tendre ta main sur ces enfants. Merci de glorifier ton nom, Seigneur, notre Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. On dit amen. Amen. Voilà, je vais demander au Papa Noël qui est le meilleur de sa classe. Hein? On dit enfin, hein? Je vois les deux personnes en train de venir. Tiens, petit. Comment t'appelles? Tu es en quelle classe? À quel âge? Je prends la musique, s'il vous plaît, pour ce que et si nous ne donnons pas les pistolets aux enfants, parce qu'on ne pouvons pas, nous ne préparons pas les rebelles. Les jouets que nous allons vous donner là, c'est pour vous inscrire.
Jésus, il prendra le soin de vous bénir. Et vous devez respecter vos parents. Et vous devez bannir la sorcellerie de vos vies. Si vous dormez, que vous voyez les choses qui ne sont pas bien, cherchez à parler de ça à vos parents. Si vous donnez à manger un rêve, essayez d'expliquer ça à vos parents. Vous devez bannir même la sorcellerie de votre vie. Pourquoi? Parce que tuer n'est pas bon. Est-ce que ma grâce est tuer n'est pas une bonne chose. La Bible dit dans Exode 20, le verset 13, tu ne tueras personne. Je pense qu'on m'a bien saisi. Vous êtes, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire de demain. Vous devez travailler à l'école. Et vous devez obéir à vos parents. On dit amen. Allez nous asseoir, Dieu. Nous allons nous lever. Excusez-moi. Qui n'a pas réussi? S'il vous plaît, c'était debout. Non.
pour bénir les enfants du monde entier, tels que les orphelins du SIDA, les enfants qui souffrent pour un cancer. Nous allons demander au Seigneur ces jours de se souvenir de ces enfants-là, malades, qui sont couchés quelque part. Nous allons demander la main de Dieu sur cette vie, sur ces enfants. Prions ensemble le Seigneur. Enlève la bouche aussi le Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, dans ta cœur. Nous voulons te rendre toute la gloire, merci. Nous voulons te rendre toute la gloire, merci. Amen. Il est heureux que toi, maman, tu salues quelqu'un du joyeux Noël. Voilà, salue quelqu'un qui est à côté de toi du Amen. Alléluia. Nous démarrons un programme à partir de samedi. Samedi, nous avons un programme. Demain, c'est la Noël. Il y aura une pause au niveau du cabinet. On aura une réunion ici du personnel de vendredi. Vendredi soir, d'ailleurs, ça va commencer. Nous allons démarrer vendredi soir le programme. Et samedi, nous aurons un grand culte ce dimanche. Ne manquez pas ce dimanche, ce grand culte. Nous allons prier pour les femmes qui n'enfantent pas. Voilà, qui n'enfantent pas. Nous allons aussi prier pour les enfants. Je suis en train de consacrer des bonbons. Envoyez-nous les enfants, nous allons prier pour eux. Amen. Voilà, nous allons prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. Le 30e, il y aura un programme ici. Salut le 30e. Le 30e, il y aura un grand programme ici. Nous allons aussi faire aussi une grande action prophétique. Par la grâce de Dieu, pour que vraiment cette année 2015 soit pour nous une année d'une grande ouverture et d'une grande bénédiction. On dit Amen. Amen. Voilà, nous venons de finir, que Dieu nous bénisse. Amen.